Alors, comme toute grande épreuve sportive, il y a des épreuves éliminatoires. Et ce matin, au Tour à Toto, il y a concours de trottinettes. Costumé, je vous demande pardon. La tension est palpable quelques minutes avant le départ. Les équipages sont prêts à tout. Je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu 2 morts et 3 blessés dans la première épreuve. Les trottinettes sont bénies. Qui va devenir un rituel maintenant, sans doute. La papauté a voulu envoyer une femme d'église pour bénir les participants, les protéger. Quelques mots avant le départ, est-ce que la tension est forte? Quelles sont vos chances? La tension est palpable, c'est-à-dire que j'ai surtout un problème de pression des pneus, et donc j'ai peur que ça soit rédhibitoire pour le podium. Donc là, il va falloir surtout compter sur les mollets, plus que sur les pneus. Mais bon, on a déjà eu d'autres occasions où on a eu à souffrir, et là, je pense que c'est jouable. Vous pensez faire mieux que 3e l'année dernière, vous vous souvenez, sur la corde, vous aviez été doublé? Oui, je sais, on a eu un problème de dérapage, mais je crois que je suis obligé de vous abandonner, car je dois aller sur les starting blocks. Ça marche, merci. Ce tour en sens inverse des aiguilles d'une montre, on va dire comme vous êtes maintenant plus nombreux, les 10 premiers seront retenus pour une 2e manche. D'accord ? 12, 4, 28, 3, 2, 1. Mais les feux des 13 et tout s'allumer. Allez les Anglais, vous y aussi voler. Il y avait toujours un voyant d'autre. Dans le tour à Toto. Il y avait moins de 800 pinards que d'un truc sans fin. Oh putain, il y a des pros là. La tension est palpable. Les anti-rouillards enclenchés. C'est du dodo. On sent une différence nette entre amateur et professionnel de la chose. Ah, il y a un moteur! Excellent! Excellent! Ah, je la veux celle-là, moi. Chaîne quand même perturbe le cerveau, car nous avons un vainqueur prématuré qui lève le bras alors qu'il y avait 2 tours à faire. Bon, quelques mots après la course, vous avez l'arme absolue, c'est la Ferrari du plateau. Hein. Ah oui, là je crois que je détiens vraiment l'arme absolue. Attendez, j'ai filmé l'intérieur de votre voiture. Ah, parce que, alors, elle est de quelle année votre Murena? Je ne sais plus. Vous ne savez plus, bon. C'est 82, 81. 80. Voiture de famille ou voiture achetée Achetée, oui. Là, c'est vous qui le dites. Non, non, je la garde. Vous l'aviez achetée ou c'était une voiture de famille? C'est magnifique non, dedans. Je l'ai achetée, c'est au moins une 4e. Ah là, c'est la 2,2 en plus. Hein. Oui. Et alors, est-ce que c'est agréable sur toutes les petites routes, là, et tout? J'ai toujours lu, moi, que cette bagnole, c'était une super tenue de route. Ah bah vraiment, oui, moi, je trouve. Je peux confirmer. D'ailleurs, je l'ai prêté à mon copilote. Elle est fantastique. On tourne le volant, elle tourne à n'importe quelle vitesse. Ça, plus, on n'en voit plus beaucoup. Et là, c'est la 2,2 litres, vous dites, c'est quoi, 120 chevaux, hein, 118 exactement. 118, oui. Mais là, j'ai mis un petit arbre à cam un peu plus pointu. D'accord. Ça pousse un peu mieux. D'accord. Et il y avait 3 places, on ne se rend pas bien compte là. Les tissus ont un peu vécu, mais le fauteuil du milieu, il se basculait. Voilà, ça fait accoudoir quand on est à deux. Alors c'est drôle parce que j'ai les mêmes aérateurs dans la Lancia. Ah bon. Ça devait être. Ah ouais, vous pouvez aller les voir. C'est les rétroviseurs qui sont
identique au Lancia Monte Carlo. Ah ouais? Pour la clé de maintenance. Des Vitaloni. Ça, c'est ça, il y avait ça sur la Monte Carlo aussi. C'est rétro là, je suis pas assez. Et les phares escamotables, ils marchent? Ah oui, toujours. Ouais, vous pouvez me montrer? Moteur tournant normalement. Mais ouais. Ah, il reste encore un peu d'air. Ah oui, c'est par dépression, c'est ça? Oui, oui. Vachement bien. Un petit côté Lotus Esprit. Hein? Ah oui, c'est un peu dans l'esprit. Un peu de Giugiaro. Bien que ce soit Matra. Merci.